Moi, c'est tout simple. Malheureusement, c'est chiant. Quand on joue en championnat, moi, je joue là-bas, donc je ne joue pas trop. J'ai vu peut-être un ou deux matchs dans l'année. Le troisième, c'est une demi-finale. J'espère que ça va bien se passer. Je travaille beaucoup avec vous. Vous avez vu, on travaille A et B pratiquement ensemble, sauf de temps en temps. Mais c'est le même système de jeu. C'est pareil. Quand on franchit la ligne, vous avez vu, hier, on a encore fait. Bon, Franck vous a fait deux touches. Moi, j'ai préféré une touche. Vous apprenez à lâcher vite la balle. C'est pas grave. Les deux touches, c'est pareil. Cette équipe-là, les gars, si on s'amuse à jouer comme eux, cette équipe-là, ils vont reposer sur deux joueurs que je connais très bien. Hein, techniquement, qui sont très forts, qui vont essayer d'aller vite à l'avant et frapper loin, parce que ça peut faire. Si ça vient les empêcher au milieu de terrain, et vous jouez en deux touches, une touche, deux touches, il n'y a pas de souci. Hein. Vous allez les taper. Pourquoi? C'est la pression, les gars, c'est eux qui l'ont, hein, c'est pas nous. Nous, on est en deuxième div, eux, c'est en première div, ils vont monter en excellence, on va peut-être monter en première div, on va monter. Ok? Mais il n'y a pas de peur à part. Moi, quand je vois les matchs que j'avais fait contre l'excellence hier, qu'ils avaient renforcé avec les joueurs DHR, quoi que ce soit, là, je compte sur vous pour que les gars vous donnez tout. Mais on joue vite vers l'avant, on s'encourage, on se parle, et ça, c'est important. Je vais vous corriger sur un truc. Joris, je te refais descendre alors que c'était pas. On a essayé de faire de belles équipes pour se gagner les deux finales. Joris, Mohamed, ne restez pas près de Cancien. Hein. Je sais pas si tu leur as dit, Franck. Hein. Attention. Plus vous êtes près de Cancien, moins Cancien voit le ballon, moins ses réflexes sont forts. Cancien, il faut qu'il voit la balle. D'accord? Ok? Donc là, 6-7 mètres devant. Si Cancien arrive à avoir le ballon, à tout voir, il ne prendra pas de but. Ça, il faut que ce soit clair dans votre tête. Si vous jouez ici, là, bah, eux, ils sont là. Le mec, il est caché, le mec, il fait un crochet, il frappe, quand c'est surpris, voilà, il prend le but. On dit, putain, des fois, j'entends, putain, le gardien, il n'a pas bougé. Bah, oui, mais il ne voit pas le ballon. Normal qu'il n'a pas bougé. Il le voit quand il arrive ici, donc c'est trop tard, il a juste à faire ça. T'as entendu cette expression? Putain, le gardien, il n'a même pas bougé. Bah ouais, mais il ne le voit pas, à cause de toi, il ne le voit pas. Hein? Donc, montez. 6-7 mètres devant la surface. Après, pressez Léo. Autre chose, hier je vous ai regardé un petit peu jouer avec Franck là. Les gars, quand leur joueur a ce ballon, un va dessus, les autres, un qui perce là, un qui va provoquer là, un qui va faire pressing sur les joueurs qui n'ont pas le ballon. Si un qui va dessus, puis l'autre qui va dessus, l'autre dessus. Lui, c'est pas quoi faire du ballon. Ça devient du 1 contre 1. Du 1 contre 1, on a plus de chances à récupérer le ballon. Que du 2 contre 1, 3 contre 1. Ok? Ça, c'est important. Après, à bout de resserrer les lignes. Ça, c'est important. Jouer dans les intervalles. Ok? Vous démarquer. Et avoir le jeu toujours vers l'avant. Toujours vers l'avant. Hein, on sort le ballon vraiment quand il y a besoin. Là, je suis dos au but et neuf, je ressors pour que le ballon va plus vers l'avant. Là, on a le droit. Ok? Autre chose. Et on a le droit aussi de jouer avec Cancien. Mais au dernier recours. Au dernier recours. D'accord? Donc, Alex. Tu manges l'arbitre. Tu l'enlèves, Oui, bien sûr. Alex, Joris, Mohamed, Thibault, Yacine, tu fais qu'il passe au gardien. Le but. C'est ça le but, hein, Franck? Hein? Ça, c'est le but. Cancien, c'est pour toi. Cancien se démarque du but, on lui donne là. On ne donne jamais un ballon dans l'axe du but. Et pourquoi? Il se trouve, ça va dans le but. Il est pressé, il tire son œil l'attaquant, ça repart dans le but. Donc un ballon, c'est toujours dehors du plaquage. Hein. D'accord? Ça, c'est important. Mais après, pensez, ces derniers recours, on joue toujours vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. On joue dans les intervalles, on se démarque entre deux joueurs. Ok? Et ça, c'est important. Après, je ne sais pas si Franck vous l'a dit, si on attaque ici, Kevin, je vais mettre l'arme. Là, on ne regarde pas. D'accord? Si on attaque à gauche, le buteur est à droite. Ok? Donc, si le buteur est à droite, faut Kevin qui est. Ok? D'accord? Si on attaque à droite, le buteur est à gauche. D'accord? Ça, c'est important. Après, les gars, rentrez-leur dedans, jouez au ballon, gagnez les duels, montrez-leur qu'on est chez nous, qu'on sait jouer au ballon.
Techniquement, je pense qu'on est là. Physiquement, je pense qu'on travaille avec Franck, hein. Non? Ok? Et athlétiquement, je pense qu'on peut prendre le dessus. Ok? Je termine avec ça. Dans cette équipe-là, les gars, je vous dis franchement, il y a plus de la moitié qui peut jouer avec moi aussi. Avec Franck, on a essayé de prendre deux équipes correctes. Ok? Bon, déjà, le problème des butés, donc il y a les butés qui peuvent largement aussi jouer avec moi. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Vous avez vu, hein, il y en a qui ont joué avec moi encore ce week-end à l'OGL. Vous avez vu, hein, c'est pas fort. Hein. Pas fort quand on joue au ballon. Quand on joue au ballon, c'est pas fort en face. Hein. Donc montrez-leur que vous jouez au ballon. Et vous allez faire un... une, deux touches. Prise d'information avant la balle. Avant d'avoir le ballon, je sais que je vais donner à Jérôme. Donc si je dois la faire une touche, je la fais une touche. Si je dois faire deux touches, en deux touches. Si je dois crocheter vers la passe, je la fais. Mais je m'applique. Ok? On va très vite. Et on ne se précipite pas, on ne fait pas n'importe quoi. On garde son sang-froid, on garde la maîtrise et on joue au ballon. Ok? Vous avez compris? Comme il a dit, Franck, il a gagné le championnat. Okay. Hein? La cerise sur le gâteau, c'est ça. La coupe, c'est vous qui l'avez joué avant que ce soit le club. Le championnat, vous gagnez. Si demain vous montez en senior, ben c'est les autres qui vous récupéreront. La coupe, si vous la gagnez, c'est perso. Hein? C'est vous qui la gagnez avant le club. Le championnat, c'est le club à vous. Ok? Vous avez compris ça? Un petit détail que je vais vous rappeler aussi, parce que j'en ai marre de voir tous les dimanches, c'est anodin, mais c'est important. Quand Jérôme, il décale là, vous ne retrouvez pas Silver, là, Enoch, là. Il y en a un qui va au point de pénalty, et l'autre qui va au deuxième. Ça ne servait à rien au premier, au point de pénalty à deux. On n'a jamais personne qui va au deuxième. Je le vois constamment tous les dimanches. Je vous laisse avec moi, je pourrais juste un truc. En plus, j'avais vu un match, je te rappelle, Franck, que je devais corriger à la mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé, Silver? Tu étais là, là, là. Et deux attaquants, les gars. Deux attaquants. Il y a trois types d'appels. En oblique, hein, vers l'avant. OK? Il y a un profondeur. OK? Donc ça, on fait attention. Donc, le ballon, il monte là. Silver, ton appel, il est là. OK? Le ballon, il monte là, et note ton appel, il monte là. Même si c'est Kevin qui rentre ici, c'est pas grave. Si tu vas vers l'avant, tu te mets en jeu. Donc toujours les appels, hein, sur les côtés. D'accord? On demande, on embarque la défense sur les côtés. Ça, c'est important. Et je termine avec ça, les corners. Ça, parce qu'on n'a pas beaucoup brillé cette année. Il y a un corner. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tous en train d'attaquer le ballon. Et qu'est-ce qui se passe? Eux, ils la touchent. Le gardien, on va dire qu'il la touche, il la met ici. Nous, le problème qu'il y a ici, toutes les équipes pratiquement, c'est qu'on n'a personne ici, ici, ici. Se dire, bah, si je récupère le ballon, je la frappe. On est tous partis vers l'avant, le ballon est là, et qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est d'aller chercher le ballon, prendre la balle et essayer de frapper. Il y a rarement quelqu'un ici. Hein, c'est... Voilà. Un, deux, trois qui attaquent le ballon, et deux, trois joueurs, un ici, un là, un là, à la récup. Le gardien, à la sortie du point, je contrôle, boum, je frappe. Donc ça, vous parlez, moi je reste à la récup, toi, attaque. Vous avez compris ça? Vous avez pigé ou pas? Ouais. Moi, je ne sais pas qui avait les corners chez vous, je ne sais pas qui attaque les ballons, mais parlez-vous. Si c'est Jérôme qui doit être là, attends-toi, recevoir la balle, frappez. D'accord? Vous avez pigé ça? Pour les corners, Alex, c'est pareil. La semaine dernière, je t'ai fait monter 15 secondes sur le corner. Je t'ai dit, mets-toi au deuxième. Elle est arrivée où? Au deuxième. Elle arrive sur ta tête. Si tu la gouaches, je te garantis qu'elle est au fond. Tu vas te faire un contrôle poitrine, je sais pas quoi, au 6 mètres. Total, c'est mort. Comme on a dit à Enoch, vous arrivez face au but, si c'est du gauche, c'est du gauche. De toute façon, si c'est pour que ça soit loupé avec un dribble, ou si c'est pour que ça soit loupé à côté non, du droit, noir. Du droit, tirez au gauche, vous n'avez rien à perdre. Rien. Pour les corners, il faut toujours quelqu'un au deuxième. Je vous l'ai toujours dit, je vous le répète, peut-être que je vous fais chier avec ça, mais une multitude de ballons, et qui plus est la semaine dernière quand on a joué contre Brie, on a un vent du tonnerre, on a un vent qui souffle comme ça, le corner il est là, on n'a personne au deuxième. Et à un moment, les gars, il faut qu'on réfléchisse. Il y a du vent, on se doute qu'elle va aller au deuxième. Elle va forcément prendre de la hauteur, de la force, et arriver au deuxième.
Et après, le dernier petit truc, vous êtes là avec le ballon, Alex, vous êtes pressé, repasse soit par conscience s'il est libre, pour qu'il réécarte son côté gauche, et relancer sur le côté gauche. Renverser le jeu, les situations. Non, moi je veux juste concerne ta caméra. Ah, c'est ce que tu regardes bien. Toujours un maillot.